qu'il y a des Pokémon. Oh, Vibranoff Shiny. Vibranoff. Ah oh, putain, c'est une blague. Oh. Putain, je viens d'avoir Vibranoff Shiny, il est à 8% même pas. T'as vu? Oh, cette blague. Ah oh, putain, attends, 1, 2, 3. Eh bien, salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Moi, bah écoutez, ça va super. Comme vous pouvez le voir, je suis devant Vibranoff Shiny. Donc pour la petite histoire, ça fait pour la troisième fois que j'essaye d'avoir Hermure au Mont Renan Vert. Et c'est la troisième fois que je me fais troller, donc c'est super. Mais cette fois-ci, c'est un gentil troll, hein, j'ai envie de dire, parce que l'autre Coré, ok, j'avais bien les glandes, quoi, mais là, Vibranoff à 7%, enfin 7%, 8%, je ne sais plus. Ça fait vachement plaisir, parce que c'est un très très beau shiny, hein, faut le dire. Et je comptais aussi avoir un Libégon shiny, parce que c'est un des Pokémon que j'apprécie énormément, et qui a une très belle forme shiny, donc voilà. Je me suis dit, il faut que je l'ai un jour ou l'autre, et là, je suis tombé sur le plus petit pourcentage. Mais en gros, si vous voulez, j'avais soit 92 ou 93% d'Hermure et 8 à 7% de Vibranoff. Et je suis tombé sur lui. Je suis super content, hein, mais je vais quand même continuer pour avoir une quatrième fois Hermure si possible. Ce serait cool. Enfin bref, je blablate, mais on va commencer la capture. Alors, Pokémon. Ok. Quoique, pas besoin. Ah, mais non, il est de type sol. Je crois. Oui. Trois chandons. J'ai peur de faire des conneries, mais. Pff, ma foi. Ah là là. Normalement, il ne devrait avoir aucune attaque suicidaire. Il devrait avoir ouais, ultrason, grincement, draco souffle. Et. Ouais, super, je suis confus, bah, c'est pas grave. De toute façon, je vais lui lancer des balls pour l'instant. Je vais lancer 2-3, ça fonctionne pas, je vais le faucher. Alors, Libégon, il est bleu-vert. Avec des ailes oranges. bleu vert. Il n'y a pas de jaune, hein, je crois. Oh, j'ai une luxe ball. Enfin, pourquoi pas la luxe? Allez, on va tester. C'est vrai que beaucoup utilisent la luxe ball. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est classe, hein, faut le dire. Mais moi, je l'utilise pas souvent. Donc peut-être capturer du premier coup. 120 de capture. Moi, bon, ça va, c'est parfait. Parfait, parfait. Première Lux Ball directement capturée, bah c'est parfait. Hop, donner un surnom au Pokémon, je n'ai pas de surnom parce que j'en ai pour Hermure, mais j'en ai pas pour Vibranoff parce que je me suis dit, bon, allez, 92%, il y a peut-être moyen que je tombe sur Hermure, mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va sauvegarder direct. Hop, oh, Vibranoff Shiny, comment je suis trop content. C'est un Toluque de ouf. Est-ce que toi comprends le moi? On va faire la preuve noire, je vais faire péter les étoiles aussi, hop, tac, tac, tac. Donc je le faisais au repousse, level 38 avec manier piège, donc entre 7 à 8% de Vibranoff et forcément le reste, donc 92 à 93% pour, comment ça s'appelle, Hermure. Bon, d'habitude les rencontres sont archi rapides. Vibranoff. Et là j'ai plus manier piège vu que j'ai mis mon Vibranoff. Et toi, t'as vu? Ah, oh, il est trop beau. Ah, oh, il est franchement trop beau. Est-ce que je vais réussir à fuir? Yes! Alors, au niveau des paris nature, je dirais. On va d'abord commencer par les personnes qui m'ont dit. Donc, Chrono qui m'a dit rigide, comme ça habite. GeoGeo qui m'a tout d'abord, premièrement, dit obèse. Puis après, il m'a dit naïf. Et Julien, il a dit solo, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'ai envie qu'il soit jovial. Allez, soit jovial ou rigide, c'est pas mal. Mais jovial, c'est pas mal aussi. Alors, il est de nature calme. Donc, c'est plus défense spéciale, moins... Oh putain, c'est moins attaque, plus défense spéciale. Oh, t'es une grosse merde. Oh, franchement, je suis trop déçu. Oh putain, c'est un truc de merde. Enfin bon, c'est pas grave. Vibranoff, qu'est-ce que je voulais faire? Bah, je sais plus. Bah, rien en fait, ouais, c'était Paris Nature. Bon, personne n'a trouvé. Dommage. Hop, on enlève. Donc, ouais, le repousse normalement c'est assez rapide.
Ah, c'est toi que je voulais. Godrive aussi, c'est un très beau shiny. Bon, j'aime pas le Pokémon, mais c'est un très beau shiny. Ah lol, là, Vibranaf et Libégon, énorme. Enfin bref. Donc je disais, Grodrive c'est aussi un très beau shiny, mais je préfère toujours avoir la première évolution. Bah là je me suis fait troller parce que j'ai pas eu Cracnoa, mais j'ai eu sa première évolution plutôt. Bon c'est pas grave, mais je préfère quand même avoir la plus petite évolution possible du Pokémon. J'ai pas réussi à fuir. Ah le nul. Enfin bref, je vais passer aux dédicaces. Ben déjà, vous avez pas intérêt à me tuer. Donc dédicace à ma team. Putain. Donc c'est-à-dire ma team. Oui, attendez, je bug parce que je suis sur le combat là. Donc Shingenki no Shiny Hunters avec Kuriru, DJ Darkflow et Meli Melo. Donc j'apporte mon quatrième point pour l'équipe, mon sixième point pour l'équipe et c'est mon quatrième point. En gros, je fais tout le travail, mais bon, c'est pas grave. j'ai pas dit le chiffre, au fait. 29 879 pour ce Vibranymphe. Ouais, j'ai cru dépasser les 30 000 et finalement, non. Donc, tant mieux. Parce que 30 000, ça m'aurait fait chier quand même. Donc voilà, dédicace à Chronodark, dédicace à Whoopidop, dédicace à Jérôme, dédicace à GeoGeo, dédicace à Oka, dédicace à Axou, dédicace à Enzo, dédicace à Shining Pixels, dédicace à Nactios, dédicace à Julian, et dédicace à tous les autres, ah bah non, bah, pour tous les autres, n'importe quoi, dédicace aussi à mon Shitty Club, avec Kuriru, Profugia, Arctic, Arkel et Ledna, et ouais, donc dédicace à tous les autres. Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Shiny. On espère Coupe Note. J'en suis à 2300. Coupe Note ou Géolite, peu importe. Je sais pas si je vais continuer Armure maintenant. Ça buguait. Ah non, ok, d'accord. En fait, j'attendais qu'elle me rende les Pokéballs, mais c'est pas grave. J'ai fumé. Donc, j'ai perdu le fil de la discussion, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je me parlais tout seul. Enfin, bref. Je sais plus. Ah si, de Coupe Note, voilà. 2300 rencontres, enfin Coupe-Note ou Géolite, et j'ai peut-être, je sais pas si je continue, enfin si je continue, si je fais Hermure encore une fois, ou si je vais faire du quintuple Coupe-Note, bah de toute façon, mais ça me donnera une chance d'avoir Galikid, qui est aussi un très beau shiny, donc je sais pas, je verrai, voilà. Bon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau shiny, merci d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, salut à tous. Allez, kiss.